Serait-ce déjà la fin d'un retour de flamme inattendu? Au début des années 2000, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont formé l'un des couples les plus glamour de Hollywood. Mais leur constante exposition médiatique aura eu raison de leur histoire d'amour et ils se sont séparés en 2004, après 2 ans de relation. Cependant, le destin est parfois imprévisible. Après avoir fondé une famille chacun de leur côté, Jennifer Lopez et Ben Affleck ont remis le couvert en mai 2021, 17 ans après leur rupture. Visiblement toujours autant épris l'un de l'autre, ils se sont passés la bague au doigt une première fois à Las Vegas, le 16 juillet 2022. Une seconde cérémonie, plus officielle, a eu lieu le 20 août 2022, en Géorgie, dans la propriété de l'acteur, en compagnie de tous leurs proches. Seulement voilà, depuis plusieurs semaines, il se murmure que le couple battrait de l'aile. Jennifer Lopez et Ben Affleck @Mrs. Menegatti image Jennifer Lopez et Ben Affleck au bord du divorce. En effet, plusieurs vidéos des jeunes mariés dans lesquelles ils semblent se quereller ont été publiées sur la toile, alimentant les rumeurs d'une petite zone de turbulence. D'ailleurs, Paris Match a récemment rapporté les propos des proches des deux intéressés, qui confirment qu'ils traverseraient bien une sérieuse crise de couple. Ils ont commencé à avoir des problèmes il y a quelques mois, alors que Jen intensifiait ses engagements professionnels. Ils se trouvent la plupart du temps sur un rythme complètement différent. On glissait les informateurs. Et d'affirmer que s'il existait un moyen de divorcer pour cause de folie messagère, Ben le ferait. Si les deux stars n'ont fait aucun commentaire à ce sujet, ils n'avaient toutefois pas été aperçus ensemble depuis le 30 mars 2024. Ce n'est que le 16 mai dernier qu'ils se sont affichés côte à côte. Mais Jennifer Lopez et Ben Affleck ont paru distants l'un envers l'autre, si l'on en croit une source de Daily Mail, Ben n'avait pas l'air heureux de retrouver J-Lo, alors qu'elle arrivait à un spectacle pour l'un de ses enfants, a relayé le tabloïd. 2 semaines plus tard, la mère de Max et M annonçait l'annulation de sa tournée, « J'ai mal au cœur et je suis dévastée de vous abandonner. Sachez, s'il vous plaît, que je n'aurais pas fait ça si je n'avais pas ressenti que c'était absolument nécessaire. » Une décision prise à cause d'éventuels problèmes conjugaux? Un mariage express? Ce samedi 8 juin, TMZ révélait que Jennifer Lopez et Ben Affleck avaient mis en vente leur maison de Beverly Hills, acquise peu après leur mariage, pour la coquette somme de $60 millions. Pendant pas moins de 2 ans, ils avaient pourtant visité plus de 80 propriétés avant de trouver leur nid douillet, où leur famille recomposée n'aura finalement vécu que quelques mois. Toujours selon le média américain, c'est Santiago Arana qui serait en charge de la vente de ce bien. Toutefois, le célèbre agent immobilier de The Agency, qui ferait visiter la maison depuis maintenant 2 semaines, peinerait à trouver des acheteurs prêts à débourser environ $65 millions. Un montant qui prend en compte une commission de courtier et une nouvelle taxe sur les propriétés onéreuses et risque de faire perdre quelques millions aux futurs ex-propriétaires. Récemment, Ben Affleck aurait fait ses valises pour s'installer dans une location à Brentwood, un quartier de Los Angeles, tandis que Jennifer Lopez serait à la recherche d'une nouvelle résidence. Qu'en pensez-vous ?